Sur le plateau Espérance TV et c'est toujours et puis joie et puis humilité nous qu'a présenté et anticosé et nous les remercier tous les auditeurs et puis tous les téléspectateurs qui qu'a encouragé nous et puis qui qu'a dit nous bon et ben yo bien content et tes émissions là nous qu'a présenté tous les jours en dedans télé ou à la radio. En tout cas maman là nous qu'a dit persévérance et puis continuer prier ba nous pour nous garder, si nous allons continuer ensemble, puisque c'est une histoire d'amour entre les autres et puis nous. En tout cas, c'est plaisir pour me recevoir, M. Gratien, belle chemise blanche, belle petite cravate bleue. Gratien, bienvenue, mon content. Merci, bienvenue pour aussi. Eh bien, c'est plus plaisir, moi, toujours dit, c'est plus plaisir, puisque la grâce, mon Dieu, qui a mis nous au bout. Si nous avons envie, c'est bonté, mon Dieu, et nous l'avons servi humblement. Nous avons demandé. Éclairez-nous par l'Esprit Saint pour chaque fois nous avons l'occasion d'y ouvrir bouche nous pour porter la parole, secours, consolation, bah les autres. Grand coucou pour toute maman qui a gardé l'émission, hein, qui a étonné, qui bénédiction, bon Dieu, reposant les autres. Merci en chair. Merci en pile. Nous parcouru et bien, grand tentala, un message cosmique, et bien, trois messages cosmiques. Tout bon bagage, en fait. Nous croyons que nous pas au courant de A à Z, nous essayons de porter quelques points d'éclaircissement, mais tout bagage pour qu'on finisse, c'est pour raison de la grâce, c'est étudier pour nous continuer à étudier. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça en est boche là. Ouais. Toute la vie, nous, tant que nous sommes la terre, nous n'y a étudié toujours. Très bien. Nous avons fait un dernier point dans grand thème là. Eh bien, c'est aujourd'hui, nous avons parlé de illuminer de la gloire de Dieu. Éclairé par gloire, mon Dieu. Et grâce à prier. Éternel, mon Dieu, nous avons venu en pied aujourd'hui pour nous demander grâce et puis force. Éclairez-nous par l'Esprit Saint. Pour nous, ça, sont des volontés. Papa, béni par l'eau qui fait chemin à travers les tiens et aider en l'eau, mon ouvrier, pour voir Jésus et accepter avant longtemps. Béni moment à la nous qui est passé, oh, qui nous glorifie. En Jésus, Amen. Amen. Texte de base là, c'est Apocalypse 18, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Très bien. Nous savons que Gratien, tôt ou tard, eh bien, les derniers événements qu'il fait. Exactement. Et pour savoir qui moment exact, eh bien, ça, pas qu'à trouver quoi à côté nous, mais Bible a nous assez et évidence pour nous ça faut que nous préparer et faut que nous parer pour nous pouvoir faire face à ces événements là. Qui mise en garde Bible a déclaré pour nous pouvoir préparer comme nous pour la crise finale. Oui. Nous n'y en texte là, 1 Thessaloniciens 5, oui. Verset 1 à 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 6, nous calme. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons
et soyons sobres. Nous croyons que c'est important pour nous comprendre ici à qui ça Paul le dit nous ici. Ouais. Oui. Mmh. Déjà, ils ont dit, oui. Veillez et puis être sobre. Restez à un moment de vigilance. Ouais. Oui, pas laisser sommeil là emporter. Ici, il a parlé du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est qui ça? C'est une indifférence générale. Indifférence générale à tout ça qui a passé, ou pas oui. Hein? Ou t'en ni, mais c'est la routine. Ou pas qu'à prêter attention. Alors Paul a dit non. Ce sont les autres qui concernent. Mais nous, nous, pour être des enfants de lumière, maintenant, pour nous, donc. Des mots. Mm-hmm. Veiller et puis être sobre. Mouta là, c'est qui ça, Gracie? La sobriété, ça veut dire que l'eau saoule, c'est-à-dire oubré, ou enivré. Ou boulé. Mais être sobre, c'est dégager corps de l'influence de l'alcool, de narcotiques. Ça veut dire que ou lucide. L'esprit, oui, ça c'est important. On est tout l'esprit qui a fonctionné très bien. Raisonner convenablement et prendre des décisions. Sage et des décisions qui a ouvert les parvis de l'Éternel. Et c'est important pour nous dire ça parce que Satan a essayé de voiler et conscience nous, empêcher nous ni de bonnes réflexions pour nous prendre des bonnes décisions. Mm. Alors donc, Pucci, question facile, Pucci, parce que Jésus a vini. Ah oui, ah oui. Et c'est pour raison que là, il faut que nous veillions et puis rester sobre, veillatif. Hein? Ouais. Et ça, très bien pour nous. Qui ça ou peut dit nous en dit dans Matthieu 24 hein, verset 42 et puis Matthieu 26 verset 40-41. Veillez, c'est être vigilant spirituellement, Gracien. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Nous dit raison pour laquelle il faut veiller et puis être sobre, parce que Jésus a venu. Mais un ici, il ne vous pas savoir ce qui joue. Alors, raison de plus pour veiller. Matthieu 26, et puis verset 40-41, nous allons lire. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus, ici, il s'éloigna une seconde fois et pria, disant, mon Père, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, toutefois, que ta volonté soit faite. Nous voyons que Jésus est à Gethsémané, ici. Gethsémané, dernier tournant sur la terre, et il est pour doser le péché de l'humanité. Et il était dit, c'est un moment difficile. Veiller et puis prier, puis il n'y a pas de paix. Oui, il n'y a pas de paix. Parce qu'il bien souligné, la chair est faible. À un moment là, il y a une préoccupation en tête. Et bien, donc, maintenant, ça va venir pour même. Veiller, c'est être vigilant spirituellement. Être sobre, c'est être sérieux devant les temps où nous vivons et concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Oui. Alors, Gracien, nous avons regardé les signes, puisque Matthieu 24 présenté ces signes, tout ça. Et d'ailleurs, c'est par rapport à cela qu'il a dit veiller et prier. Oui, oui. Maintenant, là, nous avons ces signes-là, et puis d'autres qui ont accompli devant nous là, qui ça nous est pour nous faire? Eh bien, nous n'y pour garder au commandement de Dieu dit, nous, veiller et puis prier, ça nous prêt. Parce que si. En prophétie qui marche sur plus de 2500 ans de Daniel 2, qui montrait maintenant la prophétie concernant les royaumes qui dominent sur la face de la terre. Et ça fait exactement ce que la Bible te dit. Maintenant, et si la prophétie annonçait qu'un garçon bon Dieu qui est venu en haut, marqué pour sauver l'humanité, il monte, et il annonçait qu'il est venu, maintenant nous avons suffisamment de preuves pour nous faire foi à sachez-nous la parole là, et puis pour ne pas vivre comme les insensés, comme des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, mais pour nous vivre en harmonie, et puis les commandements de bon Dieu, qui te guide, l'Esprit de Dieu, guide-nous pour nous passer au prix. Nous croyons que c'est important pour nous, pour tout le monde, de plonger les yeux en disant parole de bon Dieu, puisque aussi tu es Daniel 2 qui est à nous. Et l'histoire des quatre grands monarchies, Babylone, les mains de l'épée, la Grèce
et puis l'Empire romain, et ensuite les 10 nations sorties de l'Empire romain, les 10 royaumes, maintenant barbares, maintenant qui nous vivent à l'époque là, mais la pierre qui a été détachée comme une, sans soucou pièce en main, et puis qui a brisé statue, et puis qui a venu un grand royaume, maintenant c'est l'annoncement, c'est Jésus-Christ. Qui a vivé, Donc, maman est là, si et Babylone pas là, si les Médélépes a passé, si la Grèce a passé, nous avons parlé en tant que royaume unifié. Universel, et puis, Rome qui dominait, nous savons que l'histoire même a montré nous que tous ces royaumes-là fait un après l'autre. Et puis, Jésus vini à l'époque où Rome était à régner. Faut pas nous oublier ça. C'est Pilate qui fait condamner Jésus. Oui. Nous avons dit que fait prophétie a réalisé à la lettre. Eh bien, c'est le bagage qui était pour faire, c'est Roche-là qui pouvait venir frapper, puis statue-là, et sans période dans la nuit. Bon, nous fallait prendre tout le monde clairé, c'est pour nous faire ça avancer. La vérité, Gratien, c'est qui ça, c'est qui côté nous peut trouver. Vérité. Alors, mon cas dit que la vérité, c'est un ensemble de doctrines, de dogmes. Mais la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous avons lu ça. Nous avons lu Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. D'abord, nous avons lu qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc, à vérifier la Bible. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité qui rend nous libres. Mais en fait, qui la vérité? Nous avons lu Jean 17, verset 17, il a dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 7, verset 17, toujours. Nous avons lu, c'est important de lire plusieurs textes à ce sujet. Jean 7, verset 17, il a dit si quelqu'un. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle en mon chef. Et puis Jean 14, verset 6. Ouais. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et puis la vie. Et c'est la raison pour laquelle on dit la vérité sans monde, c'est Jésus-Christ. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de dogmes, mais c'est la personne de Jésus. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour la raison là, à chaque coup. Et Apocalypse 14, 12, qui a viré, c'est ici. La persévérance des saints. Oui, oui. Qui garde le commandement de Dieu et ont donc la foi de Jésus. Oui. Alors, donc, nous avons un premier message là, qui a invité nous à adorer bon Dieu le Créateur. Oui. Deuxième message là, l'ange appelle à accepter la vérité plutôt dans l'erreur. L'erreur, c'est Babylone, c'est la confusion. La tradition humaine. La tradition humaine. Les traditions puis les superstitions mélangées en didogne. Donc, maintenant, et troisième ange là, qui a invité nous pas adorer bête là, pas quoi à de doctrine et pas accepter d'y faire volonté pour recevoir Marc-Li. Oui, parce que tout le monde qui recevait Marc-Li, il y a pour la perdition et pour la mort éternelle. Et là, nous savons bien que la possibilité à nous nier, c'est choisir le bon et Jésus qui a les mots en les croire à la place pour sauver nous. Alors, nous croyons, est-ce que la réforme a continué Gratien et Pucci? Oui, la réforme doit continuer et condamner à continuer. Parce que nous, tous les héros de Dieu, tous les serviteurs fidèles de Dieu, maintenant, à travers le temps, nous avons lu le livre de Hébreux chapitre 11, nous croyons les héros de la foi. Oui. C'est des mondes qui acceptaient Jésus et puis l'Esprit Saint. Ils étaient convaincus, ils prêchaient la vérité, au dépit de leur mort, au dépit d'eux, ils étaient condamnés à mort. La réforme doit continuer. L'Église adventiste du septième jour recevait un message extraordinaire. Apocalypse 14, verset 6 à 11, 1, 12, maintenant, prêchait trois messages d'Apocalypse 14. Et donc, tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, qui a reconnaître que l'Église adventiste, c'est l'Église de la prophétie, c'est une Église prophétique maintenant, tout le monde n'y doit pas.
proclamer le message des trois anges afin de marcher sur les traces des réformateurs pour inviter l'humanité à sortir de Babylone et à accepter l'ange Jésus-Christ. Là qui descend là, qui éclairait toute la terre. Ça c'est Apocalypse 18, oui, verset 1. Oui. C'est qui ça et l'imiette à la époque. Il a reçu pour mission de proclamer le dernier message de miséricorde, cet ange-là, maintenant. Et donc, l'ange-là a symbolisé un peuple, un messager. Et donc, maintenant, et d'avertir les habitants de la terre de ce qu'attend la planète. Le texte dit que l'ange descend avec une grande autorité. Dans le Nouveau Testament grec, le terme traduit par autorité est exousia. Jésus emploie ce terme dans l'évangile de Matthieu quand il envoie ses disciples. En Matthieu chapitre 10, verset 1, Jésus donne autorité à ses disciples sur les principautés, les puissances du mal. Il les envoie avec la puissance divine pour qu'ils soient victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Selon Matthieu 28, verset 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le mandat évangélique. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. C'est le mandat évangélique. Et puis avancer pour mener la réforme jusqu'au bout. Et puis aider Jésus, mon Dieu, de sortir de Babylone pour tourner Koyo vers Jésus-Christ. On nous lit ces textes à la Gracia, la gloire de Dieu remplit la terre. Et Apocalypse. On nous regarde Apocalypse 4, verset 11, Apocalypse 5, 12, Apocalypse 19, 1, Apocalypse 21, 26. Pour nous garder et qui t'aime qui associé à la gloire de Dieu qui a rempli toute la terre, c'est ça Apocalypse Banon. Apocalypse 5, 12. Apocalypse 5, 12, voilà, nous lisons. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Apocalypse 19, verset 1. 19, verset 1. C'est important pour nous prendre ce texte-là. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. » Oui, très bien. Alors, on dit dans un grand conflit entre le bien et le mal, on dit dans l'univers qui a concerné également l'honneur et puis réputation mondiale. Oui. Puisqu'il y a une accusation, le rebelle Satan porté contre mon Dieu, et conflit là, quand il mettait toute bagaille à plat, pour voir que c'est un seul monde qui est pour glorifier. Absolument. C'est le Créateur, c'est lui qui la vérité, et puis qui cabale toute possibilité de vivre éternellement. Oui, absolument. Alors, parce que Satan déclarait que bon Dieu c'est injuste et qu'il a exigé en adoration et auquel il pas digne de paix. L'ennemi déclarait que la loi bon Dieu abolit tout ça, mais les habitants de la terre, tout le monde qui prend position pour bon Dieu, qu'à reconnaître que bon Dieu grand, il est juste et il est digne d'être adoré. Gratien, question. Qui ça qui la gloire bondit. Alors, pardon, qu'à réfléchir pour répondre à la question. Moïse dit, mon Dieu, fais mon gloire. Yes. Mon Dieu dit, personne ne peut pas garder moi et puis vivre. Oui. Mais par amour, moi, quand il doit rentrer, c'est vrai qu'on va dérocher pour moi, quand il passe, gloire moi. Gloire, mon Dieu, c'est caractère, mon Dieu. Viens-moi ça. Gloire, mon Dieu, c'est caractère, mon Dieu. Caractère, mon Dieu, c'est trois fois saint. Trois fois saint. Immensément saint, trois fois saint. Et on ne peut pas parler. Lorsqu'on dit trois fois saint, c'est juste une entité. Hein? Oui, trois fois saint. Maintenant, ça n'est pas porté éternel. Hein? On ne peut pas qualifier, mon Dieu, on ne peut pas décrire, mon Dieu. Hein? Mais c'est caractère, mon Dieu. Oui, la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Quand nous serons remplis de l'amour de Dieu et nous serons changés par l'amour rédempteur. Et c'est ça que Dieu fait, Manu.
Absolument. Révéler son amour dans nos vies personnelles révèle la gloire de Dieu, son caractère au monde. Le dernier message qui sera proclamé dans un monde plongé de ténèbres spirituelles et qui sera porté par trois anges au milieu du ciel, c'est-à-dire le peuple de Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Aucune gloire ne nous appartient à nous-mêmes. C'est raison à la pour laquelle là où on connaît mon Dieu, là où on connaît l'évangile, ou ni laisser l'évangile transformer pour leur capacité, pour leur caractère, bon Dieu, dis donc. Absolument. Ça. Absolument. Ça, c'est important. Et c'est là nous voyons que qu'est-ce que la justification par la foi. Par la foi, oui. Oui, c'est l'action du bon Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en mesure de faire pour lui-même. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, remercier bon Dieu de ce que c'est. Et là, nous, recevons des révélations pour approfondir mot à la justification par absolument. La foi. Et tu vois, dans 1844, nous avons une difficulté à comprendre. Ah oui, oui, et puis dans le monde gado, nous pas comprendre la justification par la foi, etc. Non. La panne pièce cartée et foi et nous ne pouvons pas comprendre. Et on nous fait et dernier point à la grâce. Alors, Pucci, un agneau immolé. Quelles sont images qui apparaît à dans Apocalypse. Un agneau immolé, un petit mouton qui est sacrifié. Hein? Alors, nous qui lis Apocalypse 14 au verset 6, nous avons lu ça plusieurs fois, un texte là, il est arrivé. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'adresser aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Ouais, disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors, nous avons parlé à sous l'agneau immolé. Oui, l'agneau immolé, ça veut dire qui ça? C'est quoi? L'agneau qui immolé, c'est Jésus. Parce que premier agneau qui immolé, c'est dans le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam. Ouais. D'accord? Et donc, il y a une prophétie qui dit qu'il mettait inimitié, division, guerre entre postérité et la femme, et ou qu'il a blessé tête, ou qu'il a blessé au talon, qu'il a écrasé tête. Maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agneau immolé, cet agneau immolé, c'est grâce à l'agneau immolé, l'acte salvateur de Dieu, que le salut possible à l'humanité. Donc, l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié. Oui, c'est Jésus-Christ crucifié. Puisque sans effusion de sang, il n'y a pas ni pardon de péché. Et c'est là pour nous comprendre l'amour bon Dieu est à nous et qui mène nous pour nous aimer et accepter Jésus. Oui. Alors, Apocalypse 5, verset 4, il dit nous, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et c'est lui qui vient, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants, et en scène d'adoration, déclaré quoi? Parce que l'agneau immolé, Jésus-Christ, c'est lui qui nous pouvoir dans les cieux sur la terre, pour déceler les sceaux, ouvrir les livres. Là, nous avons regardé bouleversement et livre l'Apocalypse, là, qui a montré nous, moi, autrement dit, au milieu des images bêtes, dangereuses, et un dragon, guerrier, plaie, persécution, manque de la bête. Bon, l'agneau. Tu as présenté un agneau. L'agneau. Un agneau. Mes solutions. Ouais, c'est ça. L'agneau. L'agneau immolé et qui demeure au premier plan. Et lui seul, ainsi que ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera avant que tout ne soit terminé. Voilà quel est le thème des messages des trois anges. Oui, justification par la foi. L'agneau immolé. Mais si nous avons grandi, bon Dieu, rappelez-vous, le bon Dieu vient pour délivrer le peuple en Égypte. Il va envoyer un maréchal, un général, un suif formé, mais il vient
un petit garçon, Moïse sauvé des eaux. Mm-hmm. Il fait grandir Caïphaon et c'est lui qui délivre. Là, il décide de dire, voyez garçon, pour sauver l'humanité. Il pas voyé un roi tout puissant venir la terre fermière, mais il voyait un petit garçon, un petit bébé. Oui. Et un petit bébé, dans la fragilité d'un petit bébé, bon Dieu descend dans la terre pour sauver l'homme. Timothée a grandi à l'âge de 30 ans, il commence le ministère. Bon Dieu qui a surpris nous, et bon Dieu qui a surpris nous toujours. Et tout ça réalisé, si l'on prend, si l'on volonté, bon Dieu. Qui ça, bon Dieu, pas qu'il peut faire, si sincèrement, ou besoin qu'on est lui, ou désire être sauvé, qui ça qui est impossible, bah, mon Dieu, d'y faire bon pour recevoir le salut. Réfléchis oui. à cela. Alors, là, nous et visiter le livre Tala, Apocalypse, mm-hmm. nous comprenons que c'est en délivrance qui a annoncé ah, c'est en délivrance. En victoire. Ah, ouais. Et effective, il présente nous seulement dans la personne de Jésus, l'agneau de Dieu. Mm-hmm. L'agneau de Dieu qui est immolé. Ouais. Et là, nous avons préparé une congrégation ah, oui. pour nous faire chanter le cantique de l'agneau. De l'agneau. Ouais, et c'est les rachetés et de la terre qui a chanté ça. Tout le monde qui est en blanc. Alors, moi, là, nous tout privé, on dit dans le jour là. C'est pour raison que là, nous avons demandé à chacun de demander mon Dieu force et puis courage pour déjà et garder parole. Que le Saint-Esprit guide nous, tu nous là. Et nous, le monde qui a perdu le courage, qui a abandonné la foi, qui a même abandonné l'Église et l'Esprit de prophétie. Maman, ce n'est pas le moment, c'est le moment de demander, bon Dieu, clairez-nous, puisqu'ils avaient un ange là et puis un message là. Eh bien, on nous vêtient nous pour nous puisser dire Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Alors, Hélène, moi, qui a dit nous, ce qui est prophétesse, il a dit nous, qui manière pour nous faire. Il a dit les serviteurs de Dieu, le visage illuminé, non pas de feu, mais rayonnant d'une sainte consécration. Ils vont de lieu en lieu pour proclamer le message céleste. Des milliers de voix donneront cet avertissement dans le monde entier. Des miracles auront lieu, des malades seront guéris, des signes et des prodiges accompagneront les croyants. Mais Satan travaille aussi en employant des miracles, des prodiges mensongers jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Mais le visage illuminé, les habitants, les serviteurs de Dieu iront et proclameront que Jésus est vainqueur. Bel passage. Eh bien, grâce à Dieu, c'est un bon moment de nous passer ensemble. Absolument. Changer que et nous finis et puis thème talent et trois messages cosmiques. Mais et l'étude qui a continué. Puisque et prochainement, nous allons étudier en disant le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens. Des Éphésiens. Enfin, épite, et, écrit par l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul. Mm. Et là, nous allons lire et puis nous allons développer Paul et puis les Éphésiens. Un plan divin grandiose et christocentré et la puissance de Jésus exalté, comment Dieu vient à notre secours, l'expiation horizontale, la croix et l'église. Ah, c'est un temps-là formidable. Le mystère de l'évangile, nous croyons et l'unité dans le corps du Christ, des vies façonnées par le Christ et un discours inspiré par l'Esprit. Vivre avec sagesse. Marie et femme, ensemble à la croix. Mais ça, c'est formidable. Et pratiquer une loyauté suprême envers Christ, l'appel à rester debout, combattre pour la paix, le cœur des Éphésiens. Donc, vous en mettez de l'eau en bouche, Oui. Là, nous allons commencer, j'ai tenté d'écouter en les livres ça, et puis nous préparer nous pour nous aborder ces études-là. Nous pas qu'à faire études pour faire études, nous pas qu'à faire études pour faire combat d'arguments, nous qu'à faire études pour transformer la vie, nous, et puis être pimeur, madame, pimeur, monsieur, pimeur, patron, pimeur, ouvrier, pimeur, citoyen, pimeur, pasteur. Puis meilleur président, puis meilleur membre d'église, c'est Jésus qui a façonné chacun de nous parce que nous sommes les sujets du royaume. Papa Dieu, nous allons remercier pour ce thème-là pour nous développer. Merci pour le Saint-Esprit qui éclaire nous et c'est lui qui a accompagné nous pour mettre en pratique toute parole qui est présentée et surtout pour nous faire ça vivre en manière authentique. Transformer la vie, nous. Préparez-nous souple, puisque Jésus a viré. Et puis quittez-nous rester en disant plan, dans un esprit d'amour, de fraternité, de sagesse et d'humilité, en nom Jésus. Amen. 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 Amen.
Thank you.